Je suis Maître Saint-Germain, le gardien de la flamme violette. Parfois, vous vous poussez à l'extrême parce que vous aimez revenir au juste milieu. Vous aimez retrouver un point d'équilibre paisible. Vous appréciez un peu de chaos lorsque vous savez qu'il vous sera facile de revenir au centre, de revenir à un état calme, serein. Vous aimez avoir l'impression de pouvoir contrôler ces moments où vous vous sentez hors de contrôle. Et aux autres moments où vous n'avez pas l'impression de contrôler le chaos que vous vivez, vous ressentez de la peur. Vous commencez à vous demander ce qui va se passer ensuite. Et vous vous demandez ce que cette personne va faire ensuite. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il est important que vous vous rappeliez tous que vous serez toujours ceux qui contrôleront la façon dont vous expérimentez telle ou telle chose. Si vous avez l'impression de ne plus avoir le contrôle ou que le chaos prend le dessus, vous devez vous rappeler que c'est vous qui créez tout cela et que vous le faites en toute sécurité dans l'énergie de votre propre âme. Non seulement vous n'êtes jamais séparé de la source, mais vous n'agissez jamais en dehors d'elle. Et quoi de plus sûr que d'être blotti au sein de la source? Nous sommes tous, toujours, peu importe à quoi cela ressemble, peu importe ce que nous ressentons, peu importe ce que cela semble être, nous nous trompons parfois en croyant que nous ne le sommes pas, parce que nous pensons que cela vaut la peine de souffrir, d'avoir peur et de souffrir encore. Mais finalement, chacun revient toujours en son centre et à la reconnaissance de qui il est vraiment. Vous le faites lorsque vous êtes éveillé dans votre corps physique et que vous êtes là pour rappeler à tous les autres à quoi il ressemble afin que les autres puissent bénéficier de cette présence. Rappelez-vous que la simulation est votre simulation et que vous êtes à la fois le joueur et le créateur du joueur. Vous pouvez vous rappeler ces vérités plus régulièrement, mais surtout les écrire, afin de pouvoir y accéder lorsque vous vous sentez hors de contrôle, lorsque vous avez l'impression que quelqu'un d'autre contrôle votre vie, votre destinée, votre réalité. Rien n'est plus faux. Mais vous pouvez souvent vous convaincre de ces faussetés, parce que vous aimez finalement vivre certaines expériences que vous ne pouvez pas vivre lorsque vous êtes dans un corps physique sur une planète qui connaît tant de dualités et de polarités. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais vraiment polarisé. Ce n'est qu'une idée. C'est juste une polarisation factice. Et vous êtes toujours unis. Et nous sommes toujours un. Et alors, si quelqu'un vient vous voir avec ses opinions extrêmes sur quelque chose et que vous savez que ses opinions ne servent pas le plus grand bien de tous, rappelez-vous qu'il fait juste semblant. Ce n'est pas une vraie personne. Et c'est à vous de décider comment vous voyez cette personne et à partir de quel niveau de conscience vous voulez interagir avec elle. Il est temps de ne pas vous laisser entraîner dans le chaos, l'histoire ou les opinions polarisées des autres. Si vous le faites,
vous apprécierez le retour au centre. Mais il vaut mieux être conscient de ces choses, de les reconnaître, afin de ne pas vous laisser entraîner dans un débat quelconque, avec qui que ce soit, dans une discussion animée inutile. Vous pouvez vous détendre, prendre de grandes respirations, et vous rappeler qui ils sont vraiment, qui vous êtes vraiment, qu'il n'y a aucune séparation réelle entre vous et elles. Les croyances sont temporaires et elles changeront, mais ce que vous êtes vraiment ne change jamais. Jamais. Qui nous sommes tous vraiment ne change jamais. Il est particulièrement important de s'en souvenir en ce moment où il semble que l'humanité se dirige vers plus de chaos. C'est vous qui stabiliserez les énergies de la planète Terre en ce moment, car vous savez que quelqu'un doit le faire, et ce sera aussi bien d'être ceux d'entre vous qui sont éveillés, qui vont le faire. Je suis Maître Saint-Germain, le gardien de la flamme violette. Merci.